résolution d'énigmes, chasse au trésor, des jeux de plateau. Et j'imaginais que j'étais intelligent, donc Hadith Nerbah, une compétition à travers les jeux. Donc je suis allé un peu pour jouer. Alors, à l'arrivée, elle fait un choix sport, donc j'ai commencé à m'entraîner un peu, courir 10 minutes le matin. Et à l'époque, j'avais jamais fait de sport, hein, ni de compétition, ni dans un club, ni rien du tout. Et donc, pas de jeu en termes de sport. Il y avait 43 équipes participantes. Le résultat en termes, c'était on était les 34e. Déjà, c'est un grand échec à la khatar Fibel, la technique de compétition, donc on allait bien se lancer. Marmine a fait un terme et on a découvert quelque chose complètement différent, qui est le sport. Donc, Maradech, comment, pour un joueur, quelqu'un qui joue tout le temps, c'est très difficile d'assimiler l'échec. J'ai décidé de m'entraîner, sachant aller à Mbak, ils allaient refaire l'expérience pour les meilleurs commerciaux dans le réseau et s'appelle entreprise, les commerciaux. Et donc à Mbak, on a réussi à décrocher la deuxième place sur 35 équipes. J'ai eu le temps pendant l'année 2008 de m'entraîner. J'ai découvert la compétition, j'en ai fait 12 compétitions en une année. Pour quelqu'un qui était sédentaire, c'était un nouvel amour, l'amour du sport. Mais c'était un échec. Deuxième, on espérait gagner la compétition. On s'était mis ça comme défi. Travailler pendant un an pour décrocher le défi, il fallait le faire. 2008, c'était également l'année où j'ai fait mon premier semi-marathon. Et j'ai décidé de réaliser quelques objectifs de la fin. Donc des objectifs à ma taille. Et j'ai réussi le premier semi-marathon, c'est celui de la ville de Tunis. Presque à l'époque, il n'y avait pas le foulée du lac, c'est ici qui nous entend, les foulées du Mégara. Donc, j'ai un bac. J'avais gagné le premier pari. Il y avait une compétition au sud de la Tunisie, c'est l'Aquilib. Alors l'Aquilib, c'est un semi-marathon, ça. Comme j'ai un semi-marathon, je me suis dit, ça va être du gâteau, puisque j'ai réussi le premier, je vais réussir le deuxième. Tu vas te retrouver sur un terrain qui est complètement mou. Donc, j'ai défini le feu de mal. Et ça te bouffe déjà 50% de plus de. Mais je ne savais pas à l'époque, tu mets les ramasses dans la semaine, donc là, j'ai quand même déjà fait. Bref, j'ai abandonné à 2 km de l'arrivée et je ne savais même pas Khadesh Tardi, Khadesh Mzé, j'étais complètement dans les bas. Ou Tralk Fel Kiné pour du traitement, Falak Tawak, qui m'a dit le bras. 2008, j'ai essayé de placer la barre haut. Encore une fois, après l'échec de Beka, Ahmed a un triathlon. Donc c'est l'African Championship de triathlon. C'est une épreuve mondiale. Donc, Mahadi Hatta Fokker a le show, les pas. Mahadi Menchit, quand même, il y avait une compétition, j'étais boulimique de compétition. Donc c'était une catastrophe. J'ai abandonné le triathlon. Je me suis dit, je vais faire autre chose, je vais continuer à courir, sans objectif. J'ai continué et en 2014, j'ai fait mon premier marathon. Le résultat a été pas mal. J'avais cadré sur 3h45, j'ai fini à 3h59. Pour un premier marathon, c'est pas mal du tout. Sauf que j'étais euphorique. Faire deux marathons en une année pour un sportif, c'est trop. Je me suis inscrit pour le deuxième meilleur marathon de France. C'est le marathon de Nice. Très beau parcours. Nice, Hatalkan, Déjeuner Al-Hal. Au bout de deux à quatre semaines d'entraînement, je me suis pété le genou. Pourquoi? Parce que j'avais mis un objectif complètement
démesuré par rapport à la préparation. C'était mon deuxième marathon sur la même année. Donc, depuis, c'est très pénible. En fait, maintenant, j'ai envie de dire que tu as un plan d'entraînement adapté. J'ai repris il y a une semaine. J'ai réalisé un nouveau record personnel. Cette fois, moi, je fallait reprendre quelque part. On a fait 73 km